Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, arrive-t-on à la fin du système de matchmaking? Va-t-il être complètement refondu, encore plus qu'il ne l'a été récemment? Est-ce que le 1365 vit son dernier KVK à son pseudo prime? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis. Vous ne pouvez pas le rater, vous n'avez pas d'excuse pour le rater. Vous y retrouvez les guides, les tips, les tutos, les leaks, tout est sur le Discord. Et même les futurs pronos d'Adi Gosiris vont arriver avec une vidéo tous les vendredis. Dès que les playoffs seront finis et des pronos ajustés sur le Discord le samedi, afin de se mettre bien et vider le plus rapidement possible ce store, je vous le rappelle. Parfois on va gagner, parfois on va perdre, mais à la fin, c'est toujours le store qui est plié. Justement, allons voir cette Ligue Osiris, où nous en sommes, qu'est-ce qu'on donnait les premiers tours, et vous allez voir, est-ce qu'on a eu quelques petites surprises. On va voir si toujours ce qu'ils désignent comme les graines de champions sont amenés à gagner. La graine de champion de la division a gagné. J'ai regardé toutes les divisions. C'était long, c'était relou, mais aucune surprise. Les graines de champion se sont toujours bien hissées. Et de l'autre côté, hein, les challengers comme les 93T ici, les 4 également, les AIG se sont également très bien placés. Ce qu'on attend évidemment, c'est par exemple le choc AIG 4. Là, ça peut faire mal. C'est l'un des rares, hein, qui peut faire mal encore en poule. Avant d'arriver dans les phases finales de poule, hein, tant qu'on est dans les groupes. Bon, tous ceux qui sont classés en graines de champion ont gagné leur premier match. Je n'ai vu aucune perte surprise. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut avoir des matchs sympas. Pareil, le 612 NB1, les Newbie One, ça peut être sympa également à voir. Il y a des petits matchs, hein, comme ça qui vont promettre. Mais pour le moment, c'est très calme, pas de surprise. Je vous le rappelle, une fois que les poules vont être terminées, on va passer sur les phases finales. Enfin, les phases finales des poules, évidemment. Hein. On se retrouve avec les 4 premiers de chaque groupe qui s'affrontent. Hein. Très simplement, il n'y a pas de surprise. Soit vous êtes premier de votre groupe, soit vous dégagez. Ils auraient dû faire un premier, deuxième, croisé, et hop, après tous les gagnants, et après on continue. Ça permettrait de donner plus de chance à ceux qui tombent dans une poule de la mort, comme on fait, hein, en Coupe du Monde ou au foot, par exemple, on fait ça. Ça permettrait de sortir et d'avoir vraiment le meilleur de la division et pas celui qui serait tombé dans une poule, justement, de la mort. Parce que si on met les 4 plus forts dans la meilleure poule, forcément, il y en a qu'un seul qui va sortir et ça peut jouer à pas grand-chose. Parfois, et une fois que cette division elle aura son champion, on sort des phases de playoff et là, on va se retrouver à pouvoir parier. Et je suis curieux de connaître vos pronostics sur le gagnant. Qui va gagner selon vous dans chacune des divisions? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je suis vraiment curieux de savoir selon vous qui va gagner le domaine d'Horus, d'Anubis, de Bastet et de Sob. Moi j'hésite. Hein. Beaucoup m'ont commencé à me dire déjà, hein, sur le domaine d'Anubis. C'est les 60 GT ou les GV77. Alors les GV77, moi je pense qu'ils ne gagneront pas cette saison. Est-ce que ce sont les 60 GT qui vont gagner sur ce domaine? Est-ce que dans le domaine d'Horus, c'est les 93T alors qu'ils ne sont même pas graines de champion qui vont gagner? Je suis encore une fois très curieux de le savoir. Sur Bastet et sur Sobek, pour le moment, je n'ai pas d'avis. J'ai pas encore assez travaillé, je vous le cacherai pas. Pour savoir qui allait gagner, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, en commentaire, à me donner des indications si vous êtes sur Bastet ou Sobek, hein, que je me penche sur les futurs gagnants et que je nous permette de nous blindax et de vider ce store. C'est tout pour cette petite Ligue Osiris et c'est déjà pas mal. On va parler KVK et matchmaking, mais avant cela, petit retour sur le KVK du 1365 et après on parlera des autres KVK, vous allez le voir, hein, y a un petit problème dans le matchmaking. C'est la deuxième fois, hein, en 6 semaines que je vous le dis. Mais là, on le constate, hein, à chaque KVK. Je pense qu'à présent, ça va être la même. Et donc, on va peut-être se manger une petite
réforme une petite nouvelle version du matchmaking sans nous le dire. Il faut savoir que quand l'élite renvoie le matchmaking, en général, excepté quand là, ils ont fait des domaines, sinon ils ne disent rien et c'est revu en sous-main d'un patch silencieux. Bien souvent, c'est déjà arrivé de nombreuses fois, hein, même presque à chaque fois que le matchmaking, le système de matchmaking a été revu, sauf une fois, eh bien, l'élite ne nous a pas prévenu. Qu'est-ce que ça donne au niveau des portes de niveau 5? Je vous l'ai dit, elles ont ouvert vendredi de la semaine dernière, vers 16h30 de mémoire, 16h20 précisément. Eh bien, sans surprise, hein, on a là quand même les WIB, les 1846 qui sont immédiatement placé autour de cette porte de niveau 7. Hein. Alors, elle n'est pas encore annoncée en ouverture, il y a un peu de temps avant. Mais je suis quand même étonné. Le 365, lui, il va plutôt cool. Il ne s'est pas encore placé. Les portes de niveau 6 hein, ouvriront d'ici là. Ils vont pouvoir combattre sur l'altar. Mais je suis quand même surpris. J'aurais imaginé qu'il renforce davantage cette zone. Il n'y a pas de combat dans cette zone. Et comment va-t-on voir qui a psychologiquement l'avantage? C'est simple, celui qui a le plus peur de se faire rouler dessus, eh bien, va blinder son territoire afin que l'adversaire ne puisse pas poser de forteresse. Car, imaginons, le 1365 prend la porte, il pose une forteresse ici et ils font la misère au 1846 et au 1316. Si le 1846 et le 1316 sont en confiance, ils laissent des trous comme ça. Pareil, le 1365, s'il est en confiance, il laisse des trous. En revanche, si son adversaire est beaucoup plus puissant et qu'il laisse des trous, c'est la mort. Il va prendre une forteresse et il va se faire totalement rouler dessus. Pour le moment, force est de constater que le 1365 est en train de se faire maîtriser. Il prend une masterclass. Ils se sont mis détente sur leur territoire bêta faux, mais c'est pas encore gagné. Alors, ce qui m'étonne, c'est tout de même qu'ils ont déjà mis deux forteresses du côté du 1175. Alors que le 1175, hein, il lui roule dessus. De son côté, le 1175, lui, n'a même pas amené de forteresse mitoyenne sur la zone de niveau 7. Il a fait pareil, la zone qu'il a au sud avec le 2489, pareil, pas de forteresse. C'est vraiment étrange, le 1175 a l'air de ne même pas jouer ce KVK. Je ne comprends pas ce qu'ils font. Le 2489, lui, est déter. Il a mis 3 forteresses autour de la porte. De l'autre côté, pareil, 3 forteresses aussi. Et c'est tenu par les mini-GT. Le 16, le 13-16 et les 16 OT hein, qui se sont mis devant cette porte. Pourquoi je dis les mini-GT? Parce que c'est eux qu'ils se surnomment les mini-GT. Ils ont gagné pas mal de KVK. 1-5. Alors, je ne sais pas s'ils disent qu'ils ont gagné KVK, mais 1-5, 9-2. Qu'est-ce que c'est? 6-4, 3-7-8. Pourquoi ce n'est pas dans l'ordre? Pourquoi c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Ce serait beaucoup plus simple. Ça veut dire qu'ils en ont quand même perdu un ou deux. Sinon, ils en auraient un peu plus. Sauf si leur alliance a été créée plus tard. Leur serveur est tout de même relativement ancien. 13-16, c'est l'un des premiers du jeu. 13-16, ça doit être dans les 4 premiers mois de création du jeu. Donc, ça remonte à la fin 2017, si je dis pas de bêtises, hein, fin 2017. Les amis, parlons matchmaking, mais avant cela, regardons comment ont évolué les coalitions de ce KVK. Est-ce qu'on a des surprises en puissance? Est-ce que ça a bien monté? 16, 13, 29, 29 et 6, on est à 35, 35, on est bien. 35 milliards de ce côté-là, en face sur le 1365, hein, maintenant, ça devrait piquer. S'ils ont réuni leurs 4 alliances plus puissantes, hein, devrait dépasser les 40 milliards, coalition 15, 12, 27, 27, 35, 40 milliards, tout simplement, c'est propre, 40 milliards, presque tout rond, hein. Je vous ai fait un arrondi, 40 milliards, le 1175 n'a normalement qu'une seule très grosse alliance et les autres un petit peu plus loin derrière, voilà, 17, 4, 4, 4, donc forcément, eux, ils ne sont qu'à 29 milliards, mais sur le papier, ils ont autant de puissance que le 1846, et pour finir, le 2489 qui devrait être entre les deux, hein, un petit peu moins que le 1846 mais plus que le 1175. Ils sont à 17, 4, 3, 3. Non, ils sont quand même pas mal. Hein. Ça fait 20, ça fait 27. Non, ils sont moins sur le papier. Mais évidemment, ils ont une énormissime alliance. J'espère qu'on aura un choc entre la Prime, la 489, hein, ou ouais, les 489 BC, ils se sont barrés. 489 et la même, le 1175, le 16 de Mimi. Est-ce qu'on aura un choc entre ces deux-là sur les terres du roi ou à l'ouverture des portes de niveau 7, hein, je crains que le 1175 soit totalement à l'ouest et malheureusement
Le 18-46 n'arrive pas à tenir les deux côtés, sauf si le 13-65 est vraiment à la rue. Moi, je pense que SKVK, c'est peut-être la fin du 13-65. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. En tout cas, c'est le mien. Ils n'arriveront pas à survivre au fait de s'être fait rouler dessus, volontairement ou pas, en zone Benguela. S'ils gagnent en zone Terre du Roi et qu'ils roulent sur le 18-46, ils pourront dire « Ouais, c'était une stratégie, on voulait un KVK de repos ». Si il gagne en Terre du Roi grâce au 24-89, ça sera la honte et tout le monde va se barrer de ce royaume. Et s'il perd, alors là, c'est la mort absolue. Le pire scénario serait que le 18-46 sorte les blocs et qu'après le 24-89 vienne les délivrer. Là, il passerait pour des ultra faibles et je peux vous dire que la migration serait majeure pour quitter le 13-65. Continuons en parlant de KVK, les amis, puisque je vous le disais, le matchmaking est-il totalement flingué? C'est l'impression que ça donne avec les tout nouveaux KVK, Heroic Anthem, qui viennent de pop. Regardez, on en a quelques-uns, les 21-98 par exemple, qui n'est pas encore ouvert, ils sont en pré-KVK, et regardez, pour le moment ça va, 2, 4, 6, on a 8 royaumes, 2, 4, 6, 8, c'est bien ça, 8 royaumes, 12 royaumes au total, donc 12 royaumes des deux côtés, 6 de chaque côté, 12 royaumes, bon, on peut se dire, 12 royaumes, c'est des KVK, plus ou moins standard, on avait aussi l'habitude, mais on a commencé à avoir émergé, il y a de ça un mois, les royaumes, tellement le matchmaking était éclaté, et qu'il y avait peu de joueurs, et que ça venait des royaumes fantômes, avec 1 milliard de royaumes, vous allez voir, là on s'en tape encore dans les deux, deuxième qui n'est pas ouvert, 6 de chaque côté, 12, là on n'en a que 8, c'est bien, on va se dire, ça commence à être des plus gros royaumes, pourtant c'est tous des 3100, des 3200, mais regardez, dès qu'on arrive sur les royaumes qu'on a ouverts depuis 4 jours, donc la session juste avant, il y a les 15 jours d'écart entre eux et eux. Eh bien, regardez combien on a de royaumes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. On a 33 royaumes. Je n'ai jamais vu autant de royaumes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 par 2 plus 1. 33 royaumes. J'ai jamais vu un KVK aussi nombreux, surtout en Heroic Anthem, c'est n'importe quoi. Et on a de tout, hein. Des 2800, des 2500, des 2000, des 1900, des 1700. On a même un 1300, je crois, quelque part. Non, le plus jeune, le plus vieux, c'est un 1100, 1057, 1033. Ça vous montre, on a de tout. On a du 2800 au plus haut, au 1033 au plus ancien. Franchement, ça montre la désertification des royaumes. Vous allez me dire, ah bah oui, mais c'est un où ils ont regroupé tous les royaumes morts. Ok, on en prend un deuxième. Regardez, la même session. 4 jours, c'est un 21-94. Regardez combien on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 royaumes. Et là encore, vous me dites, ouais, c'est une coïncidence, t'exagères pas, t'as tout, t'es éclataxe au 12e sous-sol. Ok, j'en ouvre un autre de 4 jours. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 28 encore. Et c'est comme ça pour tous les Heroic Anthem hein, qui ont ouvert il y a 4 jours la session d'avant. Plus ou moins, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. On en a 28 là, c'est pareil. Encore 4 jours, il y en a 1000. Pareil, il y en a un peu moins là, mais quand même. Et là, on recommence à retrouver de la normalité sur les premiers qu'ils ont ouverts, ce qui monte. Et puis là, on prend ceux qui sont à 32 jours et on a le même type de phénomène juste avant. Donc, ça nous montre quoi? Qu'on a de plus en plus de royaumes qui sont morts. Tout simplement, les royaumes sont sans joueurs, sont abandonnés. Ils se regroupent peut-être dans d'autres royaumes, mais Lilith commence à être vraiment à la peine. Je ne serais pas étonné, regardez, voyance patatou en direct, je ne serais pas étonné que prochainement, on ait une proposition ou un système amélioré. On l'a déjà eu pour migrer au sein de sa même région. On l'a eu aussi pour migrer au sein d'un autre royaume pour moitié prix, presque, ça dépend de votre puissance, hein, sur un royaume qui appartient à votre KVK pour inciter les joueurs à se regrouper. Je ne serais pas étonné que prochainement, on ait soit une refonte du système de KVK, mais là, ça va sous les limites, ça sera un aveu qu'ils ont fait n'importe quoi. C'est le cas, ils ont fait n'importe quoi. Soit
qu'il regroupe les royaumes automatiquement. Ça a déjà été demandé très souvent par la communauté. Ils ont dit qu'ils y réfléchiraient, mais ils ne le feront pas. Ça serait un aveu que le jeu perd en vitesse et que les royaumes, malgré le rythme d'ouverture, sont de moins en moins peuplés. Parce que regardez, ils ne ralentissent pas le nombre d'ouvertures des royaumes, parce que ça montrerait justement un mauvais signal. Le jeu marche moins, moins de nouveaux joueurs, donc on ouvre moins de nouveaux royaumes. La dernière solution serait la plus simple, la plus discrète, c'est de faire un event spécial ou un système spécial de migration pour inciter les royaumes à fusionner, que les joueurs migrent. Par exemple, je vous dis totalement n'importe quoi, hein. Si votre royaume est un seed C ou un seed D, Lilith a les stats, ils vont commencer par les D par exemple, hein, et que vous souhaitez rejoindre un royaume de seed A ou B, eh bien les coûts en passeport sont divisés par 3 ou 4 si vous avez moins de 50 millions et par 2 si vous avez plus de 50 millions. Il y a des systèmes comme ça où ils pourraient faire gagner des passeports, mais ça, ils ne le feront pas car ça prendrait de la moula en moins. Le plus simple pour eux, vous allez me dire, ouais, mais diviser des passeports, c'est la même chose. Non, parce que s'ils faisaient un event où ils donnaient des passeports, vous pourriez les prendre et ne pas les claquer et les stocker pour plus tard. Alors que si ils vous font une migration à moitié prix, là, vous êtes obligé de claquer des passeports. C'est totalement différent, même si mathématiquement, ça se ressemble et ça paraît être la même chose. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Moi, je persiste à vous dire, hein, que ça montre vraiment, entre ça, le système d'affiliation où Lilith pousse à faire que les joueurs fassent de plus en plus de pubs du jeu, le système où Lilith nous pousse de plus en plus à dépenser pour tout et n'importe quoi, ça montre tout de même une perte de dynamique financière et que Lilith fait tout pour essayer de colmater, mais pour le moment, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock.